Sí. Ça va farcir, fallait le 4 pour le DLC. En fait, là. Star. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché. J'en ferais peut-être qu'un personnage. Un bouquet de merde dans l'inventaire. Qu'est-ce qui pèse aussi lourd dans cet inventaire? C'est l'armure. Oh, fais chier. Non, on va voir ce qu'il va ajouter. Je sais pas comment je sais pas être en vie alors que... Rêve de chaud. Oh, c'est prêt, maniquer les oreilles. Parle-moi. J'espère que ce morceau vous a plu.
L'affaire dont je vais vous parler maintenant n'est vraiment pas banale, chers auditeurs. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du vieil asile de Parsons, au nord-est. Si c'est le cas... C'est qui que je jouais ? Ouais, c'est peut-être les transducteurs. Okay. Vous savez sans doute qu'il faut l'éviter comme la peste. Apparemment, personne n'a prévu les billards. Parce qu'ils ont attaqué le bâtiment. Vous vous dites sûrement que maintenant, en plus d'être glauque, l'asile grouille de billards. Eh ben non, il est vide, totalement abandonné. On peut se dire qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, et qu'ils ont levé le camp, tout simplement. Mais vu la réputation de cet endroit, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer toutes sortes de scénarios. On ne saura sans doute jamais le fin mot de cette histoire. Et entre nous, chers auditeurs, c'était mieux comme ça. Pour ceux qui aiment voir le verre à moitié plein, Anything Goes, de Cole Porter. Bon, on va foutre l'armure, tant pis, c'est leur miette. Non, on va éviter les différents workshops pour j'ai vraiment lu. Ah, je suis plus lu. La lune, le matériel le plus sec du chien. La lune, mais non, mais oui! Allez, oui, je vais pas le cul, mais oui! Par contre, je suis arrêté, il y a l'armure. Mais. Pourquoi des constructeurs? Je me rappelle tout ce que c'est. Oui. Vous savez, c'est moi qui ai vendu son arme à McDonough. Je suis ce qu'il est. Salut. Encore vous? D'accord. J'ai de nombreuses marchandises. Voyons ce que vous avez. Un peu de tout. Un peu de tout. Tu veux de la drogue? Tu veux de la drogue? Je dis bon shit de sa mère. On n'a jamais trop d'adhésifs. Oui, j'ai pas trouvé d'arbre à la louche à lui. Ah, si, visible nature, c'est parce qu'ils ont pas trop de la lune. Ah, ils font chier la lune nous fait chier, ben ouais. Ah, putain, le prix ça coûte, regardez-moi. Voilà, vous suivez vite. Quand on il me faut dévisser de la lune. Ça va me coûter pépette. C'est vrai que j'ai fait une petite accumulation de pognon. Sans vraiment trop vendre. En même temps, avec tous les jours que j'ai racketté. Je vais prendre le téléphone. Alors, on va voir la conférence d'acier. Fizzball, c'est pas un nouveau jeu, Fabio Kiat! Oh. Certes, j'ai fait les DLC, j'ai fait que les DLC avec Fabio Kiat, parce que j'ai pas réussi là. Ce que j'ai fait le jeu pour la roquette. Pour que j'avais pas de connexion internet. Viable. Bon, si aujourd'hui j'arrive à streamer du la punition, du châtiment. De
La lune ressort. C'est vrai. T'as une mauvaise faille. À tout le personnel, pensez à vos frères et sœurs sur le terrain. J'ai vu l'institut exploser. Vérifiez que tout votre équipement est bien attaché lorsque vous montez sur le pont d'envol. Merci. 48, 80. Ça fait déjà 113 heures que je joue. Je joue ce compte-là. Je sais pas, j'ai fait autant d'heures. Pour assister au prochain triomphe de la confrérie. On a peut-être libéré le Commonwealth. Notre tâche est connétable. Je peux vous aider. Il me faudrait plus de puissance de feu. Je suis sûr. Ouais, on va voir ce que t'as comme merde, bric-à-brac. Putain, mais t'es non. Coulez. T'as que dalle. J'espère que vous m'avez fait du liquide de refroidissement pour le réacteur. On est à court. J'ai envie de troller, mais je voudrais bien l'embrasser. J'ai déjà volé quelque chose. Et que c'est là que j'ai pas volé. Ah, si on a de la vie, on va pas le faire. Ne vous fiez pas à l'âge de Maxson. Un soldat expérimenté, doublé d'un tacticien de génie. Ça va être de la céramique, bon. On sert à apparaître au prochain fois que je vais aller. Bonjour. Il y a des jours où ça me manque d'être sur le terrain. En général, à l'heure des repas. On voulait quelques trucs. Le connétable Tigan a besoin d'aide pour récupérer des provisions dans les fermes de la région. Vous feriez bien d'aller. Quand il y a du travail. Moi, je regrette des miniatures. Monsieur Chat. Hey, le Monsieur Cap. Cap, Cap. Et c'est Monsieur Cap. Vous nous avez créé un sacré cratère au centre de Boston. Merveilleux. Vraiment. Merci, connétable. De rien. Vous méritez amplement tous les éloges que vous avez reçus. Et même plus encore. Vos actes ont prouvé aux habitants du Commonwealth que la confrérie se préoccupe de leurs intérêts. C'est un véritable exploit pour quelqu'un qui était encore une nouvelle recrue il y a peu. Enfin, je vous ai déjà pris bien trop de votre temps. Si vous avez encore envie d'aller me chercher des documents techniques ou d'escorter l'un de mes scribes, dites-le-moi. Connétable Quinlan. Je dois vous féliciter, Sentinelle. Et sinon, avez-vous des documents pour moi? À moins que vous ne souhaitiez plutôt diriger l'une de nos patrouilles de recherche. J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Et ils sont... Commonwealth est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Capacité de navigation du Bridwell de 17%. Formatage système déclenché par l'unité désignée sous le nom de Quinlan en cours. Temps restant inconnu. Pam. Attention. Fermeture de l'interface vocale. Ressentez-vous des séquelles de l'explosion de l'Institut? Quoi? Je ne vous entends pas à cause de ce bourdonnement dans mes oreilles. C'est tout à fait compréhensible, compte tenu des circonstances.
Vous avez fait un travail remarquable, vous savez. Tout le monde en parle à bord. Vous nous avez aidé à construire. Enfin, tant que vous vous sentez bien, je vous confirme pour le service actif. Ad victoriam, sentinelle. Et vous avez entendu. L'affaire dont je vais vous parler maintenant n'est vraiment pas banale, chers auditeurs. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du vieil asile de Parsons, le Nord-Est. Si c'est le cas, vous savez sans doute qu'il faut l'éviter comme la peste. Apparemment, personne n'a prévenu les pillards. Sûrement que maintenant, l'asile grouille de pillards. Eh ben non, il est totalement abandonné. Qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient et qu'ils ont levé le camp, tout simplement. Mais vu la réputation de cet endroit, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer toutes sortes de scénarios. On ne saura sans doute jamais le fin mot de cette histoire. Et entre nous, chers auditeurs, c'est peut-être mieux comme ça. Si vous avez le moral dans les chaussettes, Ella Fitzgerald pourra peut-être vous aider à positiver un peu. J'ai réussi, Sentinelle. Mon agent chimique est prêt. Je commençais à croire que vous aviez déjà réussi et que vous ne comptiez pas me le dire. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Après tout, je n'y serais jamais arrivée sans vous. J'ai décidé de l'appeler agent X-111. Un petit clin d'œil pour vous remercier. Tenez, j'ai déjà préparé quelques échantillons à votre attention. Si vous voulez que j'en synthétise davantage, il va me falloir plus d'échantillons de sang. Continuez à m'en apporter et je me chargerai du reste. Neraya? Vous m'apportez des échantillons de sang, Sentinelle? Oui. Tenez, les voilà. Oh, c'est parfait. Laissez-moi juste les mettre au frais pour qu'ils ne s'altèrent pas. Voici quelques capsules pour vous dédommager. Pensez à m'apporter des échantillons de sang. Scribe Neraya. Vous m'apportez des échantillons de sang, Sentinelle? Vous avez pu synthétiser davantage d'agents X-111? Pas encore. Il me manque encore quelques échantillons de sang avant de pouvoir en produire un autre lot. Pensez à m'apporter des échantillons... Va y voir à quoi sert cet agent X. Radiation. Moi 650. J'ai pas mal de tuyaux. Allez, rentre à la maison. Par contre, ils auraient le plafond trop bas. Mais bon, pas ce problème. Oui, Sentinelle. Synthétiques représentent toujours une menace. Bien que l'Institut ait été détruit, il reste encore beaucoup de synthétiques. Même si leur structure de commandement a été éradiquée, vous avez d'autres questions? Pas maintenant, aîné. Très bien. Dans ce cas, je vous... Hé, hey, vodka pour la route! Ah, t'es la volcan, t'es la volcan. Et hop, t'es le volcan. Youhou. Ah merde, vite le bouton, tu vous finis pas le lien. C'est bizarre, j'ai pas réussi à trouver trop de créatures maritimes dans le jeu. Vous avez fait de l'excellent travail, Sentinelle. À Victoria. J'espère vivre assez longtemps pour assister au prochain coup. Thank you.
que la chute de l'Institut serve de leçon à tous ceux qui peuvent être. Coucou les yachts! On a peut-être libéré le Commonwealth, mais notre tâche est loin d'être terminée. C'est dingue de se dire que les super. Ah, que coucou les yachts! Bon. Les scotch, tu vas plus t'en servir. Pour rester de la merde avec Davis dans ce bordel. Lucia! Ah là là. Parce que j'arrive pas à le convaincre. Mais ça, c'est le café, c'est le service. Des outils? Des dangereux outils? Waouh, si tu veux, mais bon, on s'en bat les couilles! Et Louis! Qu'est-ce que tu fais là, Louis? Bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre un parloir? Je sais pas si j'avais assez de trucs pour faire le parloir, mais bon. On s'en bat les couilles. Oui, on est deux. Sauf que l'autre il dort. La basket de la chaîne d'or. Même si j'aurais voulu que ce soit la pâte, mais bon. Il fallait que ce soit autre chose. Bon. Allez voir si je peux faire le parloir au moins. Ça déjà pas mal. Qui a bréché dans la colonie? Ça va être compliqué de trouver un mec qui travaille pas. On pourrait changer quelques trucs. Bien sûr. Il est temps de prêcher, petit. Tiens. Tu t'es mal conduit. Il est temps de te faire fouetter les fesses. Il est passé où? Oh, t'en fais de la fumée, toi. Bon. Oh, si j'ai assez faire l'autre truc. C'était quoi déjà? Oh, je sais plus. Ah oui, c'est fabrication. Et les derniers. Non, c'est pas les états, c'est pas les habits qu'il me faut. Que ça peut bien être. J'en ferai bien deux, mais bon. Ouh, ça peut bien être. Merde, qui fait fabrication, tapis rouge blanc, machine. Ah, laisse tout est là. Fabrique des. Un éventail d'objets basiques depuis votre inventaire. Depuis inventaire. Oh, il faut un terminal. Une forge à main. Un truc lourd des manques. Pas de place. Oh non, je sais pas, c'est bon. Fabrication de tapis roulant. Ah, bon, on va faire une vraie industrie. C'était
Uranium Field. Fait tomber. Elton Britt. Une trieuse. Ouais, on fera une autre map. Faire ça. Dis-moi, chers éditeurs, vous ne manquez pas un seul épisode de notre photo radio, n'est-ce pas? Alors, il manque plus qu'à trouver quelque chose. Exposition, présentoir. Nous les rediffusons régulièrement depuis quelques temps, et ça plaît beaucoup. Mais aujourd'hui, on dirait que la réalité a rattrapé la fiction. Eh bien non, chers amis, vous ne rêvez pas. Le Commonwealth a maintenant son super-héros en chair et en os, sous les traits de Steve Burchra. Enfin, ah, fait chier, mon putain. À ce qu'on dit, les criminels de Good Neighbor ont un nouvel ennemi. Pourquoi quelqu'un s'est mis en tête d'enfiler ce costume? Si vous avez la réponse, faites-moi signe. Parce que j'en ai absolument... Oh, enfin une machine. Kent Conley, un habitant de Good Neighbor, alors, a juré avoir été sauvé par notre héros, armé de sa fidèle mitrailleuse datant de la prohibition. Fabrication. Alors, machine diverse et quoi? Machine fusil neuf d'artifice. Encore une belle journée à Diamond City et encore une occasion de vous passer Easy Living. Ah, il faut la terminale. Arrêtez de manquer l'aluminium. Ah, c'est mon tour à fabriquer des trucs de collecteur. Conduit, plateforme. Je suis plus le terminal. Bordel. Bah, qu'un an pris après. Ah, il faut un terminal. Voilà. Mais tout est chité. Il va faire fouler tout ça. Trop loin. Voilà, bon, on fait l'électricité. Ah, générateur 5. Putain, j'ai pensé trop d'élus. Ouh, c'est la bonne chair, ça. Ouh, la bonne chair. Ah, t'es pas extérieur, là. Et puis, bonjour.
J'ai tout le temps faim. Tu veux... Je veux juste faire un échange. Bien sûr. Des pibes rouges. Je vais aller dans mon laouille. Je disais, c'est toi de ma base. C'est ma cité. Oh, mais t'es Clément. Boum. C'est quoi ta gueule, moi. Il est gentil, lui, il a foutu le plat de 12. Bon, c'est enfin fini la guerre. Un fil d'abus roulant. On va déjà faire un truc à fusil. Ça va déjà. On aura affaire à l'autre fusil. J'espère que ce morceau vous a plu. Les nouvelles fraîches sont trop rares dans le Commonwealth, chers auditeurs. Alors je suis plus qu'heureux de vous en faire part ici et maintenant. Si vous vous inquiétez en secret pour le détective Chic et Choc de Diamond City, rassurez-vous. Nick Valentine est de retour en ville et il a plutôt l'air en forme.
Même si on ignore encore les raisons de son absence, je suis vraiment content qu'il soit revenu parmi nous, sain et sauf. Restez sur Radio Diamond City, la radio des bonnes nouvelles. Si on en croit la chanson qui suit, Betty Hutton avait des relations... C'est un peu chiant ta vidéo quand même. Bon, pas fleur divine, ce qui nous fait. Qui fait. Il manque de la lip. Ça va, mais raciste. Ouais, c'est un métier qui fait peur, hein.
Il n'y a pas d'engrais dans celui-là. Merde. À mon avis, j'ai dû tuer le mec qui allait... qui est à la base principale. Merde. Ah, faut que je renvoie. C'est pour ça que ça veut pas se créer. Allez, pourquoi elle veut pas sacrer, y'a pas d'engrais dans la base. Cacher l'engrais. Papier. Engrais. Papier. Je vais bien le garder. Engrais, papier. Putain, je vais dater tout ça. Engrais, papier. Oh, on va essayer de prendre l'arrache. Oh, on prend l'arrache. On prend l'arrache, petit wawa, petit jeu, petit parcel. Allez, dors. Attends, petit parcel, tu commences à faire chaud l'orque. Ah, putain. Ouais. Nous vendons tout. Steampunk, muni. Drogue. Ce que vous avez. Ce qui se fait de. Radio Diamond City ne pourrait exister sans le concours des commerçants exemplaires de la ville. Commonwealth Weaponry. Nous vivons dans un monde dangereux. Avez-vous ce qu'il faut pour vous protéger, vous et votre famille? Là, j'ai tout ce qu'il faut, parce que on prend tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a des vis, ça. Ça y a pas à dire la lue, oh non! Ça commence à péter les couilles. Un sac d'engrais. Ça va vous coûter un peu de vue. Ah. Je peux très bien la gueule robot, mais bon. Je vais me faire gueule après. La base, j'avais qu'une seule base, mais bon, non, j'en ai deux. La reine et la machine à fabriquer. Bye, stand fight, plan and defend. Bye.
Salut, Syria. Je découvre comment ça marche, ce bordel. Putain, je vais te regarder comment il fallait faire avant de me lancer. Non, je fais que dans ce mois.
Ah, vous voulez foutre de la machine ? Oh, mais t'abuses. Travis Miles, dit le solitaire, qui vous donne les dernières nouvelles du Commonwealth. C'est du lourd, cette fois. Le bâtiment de Green Tech, bien connu pour servir de repère aux mercenaires des artilleurs, a été pris d'assaut par un groupe d'individus non identifiés. D'après mes informations, il ne reste plus un seul artilleur vivant. C'est assez effrayant. C'est pas vraiment des enfants de cœur. D'après les rumeurs qui circulent, l'Institut serait impliqué. Je sais ce que vous pensez. Mais il se passe quelque chose de grave ou un événement inexpliqué. Avec des individus. Dans ce cas précis, même moi, je dois avouer que j'ai du sérieux soupçon. Méfiez-vous des conclusions hâtives, chers auditeurs. Mais au réveil quand même. Je tiens malgré tout à vous rassurer. Il n'y a aucune raison de penser que notre belle et grande cité soit en danger. Alors, de temps, vous pouvez vous grâce à un intérêt. Travis Miles, le solitaire, qui vous présente Louise Jordan avec Kevin Dunn. Quand on frappe la porte, la personne répond : il faut frapper plus fort. Thank you.
Je suis encore qu'à dans l'ici. On a vu, on peut pas les passer les 1000. Ah si. Je crois que je dois remplir la petite terre. Ouais, le perso... Mon per... Bref, mon personnage, on va le niquer.
rechargée et prête à faire du grabuge. Il faut déguster. N'oubliez pas qu'un gars du Commonwealth se précipite. N'oubliez pas, chers auditeurs, le Commonwealth ne vous en touche pas. Maintenant qu'ils ont repris leurs anciens quartiers, les miliciens devraient être plus à même de venir en aide à tous les citoyens du Commonwealth dans le besoin. C'est plutôt une bonne nouvelle, pas vrai? Piano pour vous, Johnny Mercer. Savourez. C'était trop chaud pour le tri. Comment si je veux vraiment sauvegarder? Je veux du sauvegarder avant de lancer dans ça en fait. Pour tout garder. Quand j'ai pas l'anglais, je montre un peu. Vas-y, pas trop. Ouais, j'ai les crânes, hein. Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a à coller? Regarde pas comme ça. Tu vois ce qui est pas mieux avec les éclats plus jets dans ce moment-là? Vous avez trouvé où tout à l'heure? Je sais plus. Vous parler d'une chose qui me touche personnellement. Inutile de le cacher, je n'ai pas toujours été très doué pour ce travail. On peut même dire que j'étais horriblement mauvais. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Et grâce aux efforts de quelques amis, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses et d'apprendre. J'en profite pour remercier l'ange de l'abri. Sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Mais assez parlé de moi, chers auditeurs. Il est temps de passer à la musique. À suivre, Orange Colored Sky de Nat King Cole.
Bon bah. Ah, quoique. Pardon. Vous avez fait de l'excellent travail, Sentinelle. Ad Victoriam. C'est quoi quand je l'ai quelques deux trois pour trouver de l'argent, du stuff divers. Faudrait faire choper un caravane de divers, mais bon. C'est plus complexe. Pardon. J'espère que peut-être libérer le Commonwealth. À tout le personnel, ceci est un rappel. Les ratons du script Neraya ne sont pas des animaux de compagnie. Il s'agit de ressources militaires d'une importance cruciale. Il est donc interdit à quiconque de les nourrir. Seul le script Neraya et son équipe sont habilités à le faire. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Connétable Tikal. Vous avez besoin aujourd'hui. Vous le savez, je le sais. Voyons ce que vous avez. Toutes mes armes sont prêtes. Grâce aux efforts de quelques amis, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses et d'appréhender la vie. J'en profite pour remercier l'ange de la brique. Je merde. Mais assez parmi moi, il est temps de passer une décision pour vous. Sinon, on en croit la chanson qui suit. Betty Hutton
vous voulez bien m'excuser, j'ai un travail important à finir. Écoutez, vous verrez. Bidon de lui ! Qui mettait lui dans bidon ? Deux d'aller ! Faut trouver les bidons de lui ! Ah oui ! Faut trouver les bidons de lui ! Putain, Tichel ! Comment avez-vous fait pour ne pas voir la vingtaine sans être sympathique? Vous étiez pourtant proche de lui. Il croit vraiment que je l'ai tous tué. Son DLC que je l'ai sauvé. Et qui est dans la plante principale. Enfin, un extincteur. Qui est un extincteur? Mais qui s'est marmé sur tout ce qui ramasse. Mais il y a du caoutchouc, de l'acier! Et de l'amiante. Bizarre. Voilà, on a tout! On est tout gay, tout fou, on est tout payday, on est tout gay. J'ai rassuré payday. Youhou. Arrête de faire cette gueule. S'il te plaît. On met la bouche, on met la bouche, on met la bouche. Voilà, t'es un peu t'es encore shooté au sommeil. Je peux faire tout de toi. Je peux te m'achouiller. Je vais te mâchouiller. Oh. D'accord. Je fais rien du tout. La chute de l'Institut sert de leçon à tous ceux qui pourraient être tentés de tuer notre humanité. Ouais, j'ai jamais été dans ce truc-là. Je sais pas pourquoi, mais bon. Y'a pas des boutons d'explosifs, je sais pas. Peut-être que je suis souvent. Parce qu'il est pas possible de dire ce qu'il y avait de peine du fixe, tu vois. Allez. Base secondaire. Je ferai une sauvegarde. Voilà, fin de mon stream. Parce que j'ai pas envie de tuer, j'ai pas envie d'user mes animaux pour rien. Donc, je ferai le stream sur un combat de bestiaux. Que je continue à faire la gueule, petit Marcel. T'es nourri, t'es blanchi, t'es sorti. Tu peux dormir dans mon lit. T'es massé, t'es emmerdé, t'es mâchouillé. T'es un peu écrasé. T'es beaucoup emmerdé. Allez. J'espère que j'ai enlevé toutes les mines.
On va aller chercher des armures spéciales que j'ai en deuxième base. Ça va pas le faire. Voilà. On va prendre les armes résistées. Si je trouve celle-là, ça va pas le faire. Non, celui-là, c'est le mec, il y a le mec qui pense qu'elle saute, qui skippe en sautant. J'ai jamais compris ça, là. Pourquoi il y a ces personnes dans ma base? Ça, c'est une des armes que je portais avant de trouver celle que j'ai trouvée. Bon, quand il marche, ce prédateur d'âme résistée. Ouais, pas d'électricité. J'avais compris. J'ai oublié qu'il y avait de l'électricité celui-là. On va le relier depuis l'extérieur. Vous avez écouté Crawl Out Through the Crowd. Il y a eu du grabuge à Good Neighbor. Enfin, encore plus que d'habitude. La prétendue femme d'affaires irréprochable, Bobby Sand, s'est taillé une drôle de réputation dans le commerce. Cette réputation a peut-être alimenté les rumeurs qui sont apparues récemment à son sujet. Qui mentionne une entreprise pas tout à fait irréprochable. À Good Neighbor, on dit que Bobby a disparu de manière inexpliquée, sans laisser de traces. Pour le moment, rien n'indique qu'elle ait mis à exécution le coup qu'elle était supposée préparer. Ou alors, comme certains l'ont supposé, elle a contrarié les mauvaises personnes et on ne la reverra plus jamais. Si vous voyez ce que je veux dire. Voici Big Mabel qui met le feu à la piste de danse avec. Le collecteur serait pas mal.
Pourquoi je me casse le cul à faire ça parfaitement, non. Bah, allez, respirer, chercher une arme. Une arme et des armes. Je vais laisser de côté le trophée de constructeur. C'est normal, en fait. Qu'est-ce que t'attends par terre? D'accord, allez, pchit. Hey. Ouais, c'est là que je porte toutes mes armes. Non, pas la Big John, terre laser non plus. Oh, après on est armé, qu'est-ce qui peut être pas mal. Ah, parfait. On met un chapeau à tous les deux. Et voilà. Je marche trop tard, mais... C'est un peu d'érotisme. Il faut mettre un peu d'érotisme, pas que... Ah, merde. À prendre la drogue. La drogue c'est mal, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut être... C'est quoi la bonne drogue? Un peu de vin. De la vodka, du whisky. Parce que c'est cure, de flotte. Un peu de bonbon. Le bonbon est de la force, tiens. Vous avez une addiction à tous les bouffaloutes, ouais, super. Bon, ça va lui faire un peu. Première 40 de stream. J'aurais fait deux trophées et beaucoup de glory. De toute façon, là. On ne va pas équiper. Voilà, très bon. Salut Thomas! Comment tu vas, Thomas?
je vais pouvoir faire bloquer là. Ah oui, c'est vrai. J'avais promis que je fais la reine pour tout le monde. Donc j'ai fait la reine pour Thomas. Peut-être que la seule vidéo où je ferai du feu artifice. Alors, comment je faisais déjà pour clencher tout? Ah oui. Ouais, il passe le rat de serre. Pas qu'il y a un fort de merde. Le rat de serre, on a survécu. Bon, je sais pas ce qu'il vous donne le râteau. Ah, ce coup-ci, c'est grâce à un truc qui a survécu. Ah, c'est un raflon. Tiens, j'avais vu un raflon. Alors, je dédicace cette chanson. Bob Crosby, Dear Hearts and Gentle. Le chat. Le chien. C'est le rat de chien. Le chat et le chien. Monsieur chat, bougez tout, monsieur chat. Oh, monsieur chat. Ah, c'est un caveau féroce. T'as pas vu, monsieur ça, monsieur Tabo? Monsieur ça! Oh là là! On a perdu, monsieur ça! Tu marches! Monsieur ça, je l'ai vu! Et conclut notre grande aventure du DLC de Fallout 4. Je reçois un plus et de... Ah putain, dans une nouvelle aventure, ici!